Et oui, notre combi VWay est toujours aménagé en fourgonnette barbecue. Il nous reste à trouver un chouette endroit pour installer notre cuisine estivale pendant 9 semaines. Les lacs de l'odeur, ça vous dit ? Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broken, bonjour, chef. Bah, qui voilà? Surprise, c'est moi. Ah, surprise, oui. Ah oui, Sophie, elle a décidé de faire la grasse mat. Elle a décidé de quoi? De faire la grasse mat. C'est n'importe quoi. Ouais, mais non. En fait, entre nous, elle n'aime pas trop les moules, mais moi, j'adore. Ok, bah super. Alors, je vais te faire une petite moule casserole sur le barbecue. Avec, tu vois, je prends un peu d'iode, on va prendre des algues, on va prendre des crustacés marins, concombre de mer. On va ajouter un peu de citronnelle, gingembre et de l'ail pour amener une autre continent dedans. Et on va tout déglacer au vin blanc. Je trouve que ça va être pas mal. Ah bah, je vais nous chercher un vin blanc alors. Oui, si tu veux bien. Where there's a black smoke rising, I smell something. Voilà, chef. Je vous ai ramené une belle petite bouteille de Sauvignon blanc. Parfait. On va... Alors, s'occuper des moules maintenant. Qu'est-ce que je vois ici? On a des oignons jeunes, du céleri. Ici, c'est de la citronnelle, gingembre, ouais, et ail, c'est ça? Parfait, hein, oui. Alors, tout ça, on va faire suer dans de l'huile d'arachide qui va monter un peu plus haute température. C'est pour ça que je prends de l'huile d'arachide. Okay. On va mettre un petit peu de curry. On va bien faire suer pour amener tout ce parfum du curry. Et puis, on va vite ajouter laitue de mer, crustacés marins, concombre de mer, un peu de thym, bien refaire suer en gardant la couleur. On va ajouter les moules et déglacer au vin blanc. Et au dernier moment, on met la crème épaisse. Ok, super. Tout simple. Oui, c'est facile. Le vin que j'ai choisi est un Sauvignon blanc de la Loire, avec un nez très expressif qui domine des notes florales, des notes de buis, de fleurs de sirop et également une touche de fruits exotiques et d'agrumes. Ah, mais c'est quel genre de crème que t'as mis? C'est pas une crème normale? Non, triple, épaisse. Ah. C'est plus gras, c'est plus onctueux en bouche, tu vois. Mmh. Voilà. Et là, je vais fermer, comme ça, toute l'odeur du barbecue va rentrer dans mes moules. Mais en fait, c'est chouette parce que c'est vraiment comme une casserole normale, sauf qu'on la met sur le barbecue. Oui, ben aujourd'hui, on peut tout faire avec le barbecue. Hein. C'est pas simplement la grillade comme on a l'habitude de faire. Ici, on peut travailler avec une casserole, on peut travailler avec un wok, avec une plancha, on peut cuire des pizzas. Le fait, c'est de cuisiner dehors, ouais. C'est ça le plaisir. When I met you in the summer. Pour n'importe quelle recette, même au barbecue, j'ajoute toujours les herbes au dernier moment pour donner une petite fraîcheur. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now. Ils sont super bons, on dit. Et ce qui est super chouette en fait avec les moules, c'est qu'on peut vraiment être créatif. On peut y ajouter ce qu'on aime. Ah ouais, tu peux mettre de la coco, tu peux mettre un peu de tomate dedans. Mmh. Vraiment, on fait ce qu'on veut avec les moules. Attention à la cuisson, rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Belges adorent les moules. Et bien sûr, accompagné d'un bon verre de vin. Santé, hein. Santé. Et après la pub, on va retrouver Sophie qui fait son petit retour. Hein. Ah, eh oui. Elle s'est levée, là. Oui, oui, oui. Elle va même faire un bon petit tour en vélo. Ça fera du bien.